nous sommes au Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, et plus particulièrement sur le stand de la région Hauts-de-France, et notamment l'espace dédié à l'industrie. Alors nous sommes avec Jérôme Olive, bonjour. Quelle est votre fonction et quels sont les services proposés par Industrie Lab? Bonjour, donc moi je suis chargé de mission au sein d'Industrie Lab, chargé de mission réalité virtuelle. Et donc Industrie Lab, c'est une plateforme d'innovation de la région à destination de tous les industriels régionaux avec plusieurs services. Premièrement, un service de moyens, on fournit un bâtiment, des espaces, que ce soit d'ateliers, de bureaux, de conférences. Et ensuite, on va fournir aussi des équipements mutualisés, donc la réalité virtuelle dont je m'occupe. Et aussi toute une chaîne composite qui est mutualisée par Airbus Atlantique, qui permet aux entreprises de créer leurs pièces, que ce soit virtuelles chez moi ou réelles chez Airbus. Oui, alors par exemple La Roche Industrie, qui est un industriel local, qui utilise les services de réalité virtuelle pour plusieurs choses. Principalement faire du commercial. Donc on a par exemple, ils ont remporté grâce à une étude réalité virtuelle un marché avec Air France Industrie. Et aujourd'hui, ils ont une démo faite par Industrie Lab aussi sur leur stand en réalité virtuelle. Et puis après, si on part sur le physique, on a par exemple Arceo Technologies qui développe chez nous un vérin électrique haute puissance qui est amené à remplacer les vérins hydrauliques aujourd'hui. Donc le futur de la mécanique, notamment sur le SkyCell Nord. Alors Industrie Lab, comme beaucoup le savent, nous sommes très proches d'Airbus Atlantique à Méholt. Donc nous avons effectivement une proximité avec l'aéronautique, mais pas que, hein, c'est Industrie Lab et pas Aérolab. Donc Industrie Lab, on accueille tout le monde. Et on est ici pour créer des synergies avec d'autres entreprises, leur proposer nos services en région ou extérieur, parce que si on arrive à faire venir aussi des gens à Industrie Lab de l'extérieur, c'est peut-être des gens qui s'installeront ensuite en région. Alors sur Industrie Lab, pas particulièrement de besoin, parce qu'on répond aux besoins industriels. Aujourd'hui, Industrie Lab se focalise beaucoup sur la formation, notamment en aéronautique. C'est un vrai besoin de formation, que ce soit continue ou initiale. Et donc aujourd'hui, Industrie Lab est devant ses objectifs, notamment avec le hub de l'emploi où il y a des recrutements tous les jeudis chez nous pour les formations aéro qui se passent chez nous. Et on héberge aussi le lycée Airbus Atlantique Henri Pothez qui permet de former les futurs assembleurs qui iront chez Airbus Atlantique. Voilà. Alors Jérôme, merci beaucoup et merci de votre accueil, puisque HDFID a été accueilli pendant les 4 jours du salon sur l'espace Industrie Lab. On a pu faire venir aussi des startups des Hauts-de-France, donc merci encore.